Alors BNP Paribas finance bien sûr toute l'économie et est donc exposée à de multiples crises, la crise climatique, la crise de la biodiversité, puis la crise des inégalités sociales. Et bien sûr, ces trois crises sont fortement imbriquées l'une par rapport à l'autre et parfois aussi s'alimentent. Donc c'est vraiment notre rôle de prendre en compte ces considérations, notamment aujourd'hui le thème est la biodiversité dans le cadre de la table ronde à laquelle j'interviens. Et donc il faut qu'on passe à l'échelle, passer à l'action. Au-delà bien sûr de la sensibilisation, hein, on a tous vu ces rapports, notamment les rapports de l'IPBES sur la perte d'espèces, le nombre de 1 million, bien sûr je pense que tout le monde l'a en tête, le nombre d'espèces qui arrivera à extinction. Donc voilà, on est dans cette période de sixième extinction de masse, il faut agir et on a un plan d'action chez BNP Paribas. Et donc aujourd'hui c'était vraiment l'occasion de rencontrer des acteurs publics, des acteurs privés, montrer que le secteur privé a un rôle à jouer pour bien sûr permettre de réduire ces impacts sur la biodiversité. Et ça, bien sûr, ça repose sur des données. Voilà, donc aujourd'hui, le thème qu'on a abordé, c'est aussi la donnée, quelles données biodiversité est à notre disposition aujourd'hui pour avoir de bonnes décisions d'investissement ou pour flécher nos financements. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la donnée ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de données pour prendre des décisions dans tous les cas. Bien sûr, ça aide, mais on peut également agir et ne pas attendre que les données soient parfaites pour enfin réduire nos impacts.